Bonsoir. On m'a toujours dit qu'il fallait aimer son prochain, que les prophètes étaient frères, qu'on avait le même père, la même chair. À partir de là, pour moi, tout était clair. Jacob était mon frère, Joséphine, ma sœur, l'abbé, un saint Pierre, mon imam, un guide dont je suis fier. Mais on a plombé l'atmosphère quand j'ai vu tous ces innocents mourir avant l'heure. J'ai vu la terreur dans les yeux de celui qui prie le Seigneur. J'ai vu la mort monter dans un bus, dans un train, bousiller des familles entières, foutre en l'air des destins. Je comprends pas ton message, quelles sont tes revendications quand tu prends pour cible des femmes, des enfants, des otages dans un car à deux niveaux, une station de métro, en envoyant ce gosse qui a subi un lavage de cerveau. Cet ado mal dans sa peau, tu en fais un criminel. Se faire exploser la gueule, c'est totalement irrationnel. Je suis musulman et je suis venu clarifier les choses. Je suis pratiquant et je ne me reconnais pas dans ta cause, dans cette cause de toutes ces choses qui engendrent la psychose. Quand je te dis salam, tu me réponds que c'est haram. Apparemment, on n'a pas le même islam, toi et moi. Moi, je suis pour le libre choix, peu importe ta foi. Mon islam est une religion de paix, pas d'assassins. Alors lis tes sourates, tes versets, au nom de tous les miens. Tu invoques les écrits saints pour justifier ton bain de sang, mais j'espère sincèrement que tu n'iras pas crever en enfer. Mais avant que tu n'empruntes le chemin de la perdition, rappelle-toi du verset qui dit « Nulle contrainte en religion ». Si tu suis vraiment le Coran, alors fais preuve de réflexion, car l'encre du savant est plus précieuse que le sang du martyr, et sans le véritable savoir, on se dirige forcément vers le pire. Et le pire, c'est le calvaire que vivent nos sœurs victimes des sous-entendus, une religion de criminels. C'est comme ça que l'islam est vu. Arrêtez votre barbarie au nom de la religion. Vous faites souffrir tous les vrais musulmans. Mais surtout, mesdames et messieurs des médias, arrêtez de faire l'amalgame, pensez au cas par cas. Car les chiens qui aboient ne feront pas revenir la douce colombe à vous entendre. Derrière chaque musulman, il y aurait une bombe. Si vous n'avez rien à dire de plus beau que le silence, taisez-vous. Car vos paroles seront une arme dans la bouche de l'ignorance. Je pense à ce gosse qui pense qu'il est un martyr. Mais t'es qui, toi, pour lui promettre le paradis? Va dire à sa mère qui pleure la mort de son enfant que toi, t'as déjà le nom du prochain mort-vivant. La mort frappe partout et surtout tout le temps, sans différence d'âge et sans l'once d'un remords. Tous ces corps sont frappés du sigle A d'Al-Qaïda, IRA, ETA, A comme attentat, A comme assassinat. C'était juste un salem, un shalom, une histoire de paix.